L'Égypte a battu le Sénégal 1-0, tandis que le Ghana et le Nigeria se sont quittés sur un score nul et vierge 0-0. Presque deux mois après la finale de la Coupe d'Afrique 2021, l'Égypte et le Sénégal se retrouvaient ce vendredi en barrage aller de la Coupe du Monde 2022. Après une première mi-temps marquée par la rapide ouverture du score des Égyptiens suite à un contre son camp de Saliou 6-3e, ainsi que par les sorties sur blessure d'Abdou Diallo 14e et de Mohamed Abdelmonem 39e, les champions d'Afrique sénégalais ont accéléré. Intenable, Sadio Mané a obligé Mohamed El Chenaoui à se détendre après une tête 49e, avant de mettre au supplice plusieurs défenseurs égyptiens, sans que son centre à destination de Famara Diédiou n'aboutisse 53e. Inoffensif durant tout le second acte, les hommes de Carlos Queiroz ont eu quelques opportunités sur coup de pied arrêté, sans jamais vraiment inquiéter Édouard Mendy. Acculés dans les 10 dernières minutes, les Égyptiens s'en sont remis à un grand El Chenaoui, qui s'est imposé devant Ismail Assar, 79e, pour valider un succès important au Caire, 1-0. Pour encore rêver du Qatar, Aliou Cissé et les Lions de la Teranga sont condamnés à gagner au stade Abdoulaye Wade de Dakar mardi, tout en faisant attention à ne pas prendre ce fameux but à l'extérieur. L'Égypte est à 90 minutes de prendre sa revanche sur la dernière Coupe d'Afrique.